Yo les gens, pour une nouvelle vidéo. Cette fois, je suis tout seul. On se retrouve sur du Rainbow en classé. J'espère qu'en tout cas que cette vidéo va vous plaire. J'espère que vous allez bien en tout cas. Moi, pour moi, ça va super. Donc là, on se retrouve donc pour un Rainbow classé, comme je l'ai déjà dit. Je vais vous demander dans les commentaires de me dire, parce que là, vous pouvez voir que j'ai 20 691 d'argent. Et je vais bientôt avoir 25 000, du coup je vais m'acheter un perso à 25 000 parce que j'ai tous les persos à 500 000, enfin bref, à chaque fois que t'en achètes un ça monte, donc je les ai tous. Et à 25 000 j'en ai qu'un, j'ai Buck. Et j'aimerais que dans les commentaires vous me disiez, oui, entre Valkyrie et Frost. Dites-moi, parce que moi j'adore les deux, dites-moi dans les commentaires lequel je prends pour vous, entre Valkyrie et Frost. Ça me ferait très plaisir que vous me le dites. Je sais pas, je suis nulle en français, il faut m'excuser. Donc en tout cas, j'espère que ça va vous plaire. On se retrouve sur la map avion, bah, super, j'adore cette map. C'est pas ma préférée, parce que ma préférée c'est maison. Savoir qu'il y en a plusieurs, mais la vraie maison, comment vous expliquer? Enfin bref, je pense que vous voyez celle de laquelle je veux parler, pardon. On va se mettre. Je sais pas si on se met sous ta bagage ou pas. Ils veulent se mettre salle de réunion. Bon bah allons-y, salle de réunion. Ah, salle de réunion. Bon, voilà. Ah, oui, salle de réunion. Donc salle de réunion. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Je crois que j'ai déjà dit. Excusez-moi si je l'ai déjà dit. Et aussi, dites-moi dans les commentaires ce que vous préférez entre BO3, The Crew, Rainbow Six et... j'en ai oublié un. Ah oui, et GTA 5. Il faut savoir qu'on est bientôt en vacances, les vacances de Noël. Donc voilà, c'est bientôt les vacances. Donc il faut savoir que je ferai beaucoup plus de vidéos. Par contre, le 23, je pars, malheureusement. Alors, par contre, le smoke, s'il pourrait bien partir pour que je m'annonce une petite go là. D'accord, je crois qu'on a un joueur AFK. Le smoke, il peut pas. Voilà. Parfait. Tant pis, voilà, il veut pas bouger. Ouais, tant pis. Encore 5 secondes. Par contre, je peux pas renforcer du coup là. Ah. Oh là là. Pourquoi il me tire dessus? D'accord. Bon, ça commence très mal. Je mets des dégâts à mes alliés sans faire exprès. Mais voilà. Ils vont m'excuser. J'ai pas le temps de renforcer maintenant avec tout ça. Mais bon, je fais à chaque fois ça pour avoir la ligne là et pour vite sortir comme ça. Et si jamais besoin de shooter, je le fais tout le temps. Donc là. Comme ça, je peux surveiller l'escalier en même temps. Bon, j'espère que mes alliés vont pas trop m'en vouloir. L'avantage aussi d'être avec des gens qu'on connaît en classé, c'est surtout que on peut avoir les informations de là où il y a les ça fait tuer en bas. Faut pas trop. Ah, ok, ça va arriver là. Comme ça j'ai les deux lignes. Est-ce que mon bac, ok c'est bon. Ok, GG, il a pris le kill, moi je couvre celui-là. Oula. J'ai carrément bugué. Pourquoi je bug dans ce mur? Dernier agent. Oula. Oh, ce rollback. Ok, pourquoi? D'accord. Je suis bugué. Ok. Bon, c'était un peu de la chance là ce que j'ai fait. Okay, je vais attendre doucement.
Oh, cette chance que j'ai eue. Je savais qu'il était là parce que mon collègue était mort là. Du coup, je l'ai attendu. Par contre, cette chance, il aurait pu me tuer au moins 10 fois. Mais bon, c'est pas grave. Plutôt manger. Par contre, je sais pas pourquoi ça m'a TP à chaque fois que je descendais, ça me TP. Je sais pas pourquoi. Bref, c'est pas grave. Je devais être coincé dans un mur. Des fois, ça me le fait aussi. Par exemple, quand j'étais en live, en fait, j'étais collé à un mur et ça arrêtait pas de me rollback contre le mur. Je sais pas pourquoi. Et bref, y a des petits bugs. Hein. Donc, il faut savoir que je joue après la mise à jour de Ibana et Echo, deux très bons agents d'ailleurs. Ah bah tiens, voilà une Ibana. Ah bah oui, une Ibana. Une Ibana sauvage, attention, non, je rigole. Et Echo, deux très bons agents, surtout Ibana pour faire des trous. Là, on peut pas s'y attendre. Hein, parce que, enfin, on peut s'y attendre hein, quand on connaît et voilà. Mais personnellement, moi je connais pas du tout. Mais je sais qu'on peut se faire avoir par plein d'endroits parce que des fois, quand on. Comment ? Quand on protège un mur, le haut du mur, vous pourrez regarder, quand on protège un mur, bon, pas sur ces maps parce que là ça protège entièrement le mur, mais sur certaines maps, comment ? Sur certaines maps, le haut du mur n'est pas. Enfin, comment ? Il m'a tué en vol, magnifique. Le haut du mur, il est pas protégé. Du coup, avec Ibana, c'est quand même. T'as un bon angle, même si. D'accord, ça spawn-t-il de l'autre côté? Du coup, moi, je crois qu'ils s'attendent pas à ce que je spawn de ce côté. Je crois que personne peut spawn là dès de base. C'était chaud, ça. À tous les coups, je sais pas pourquoi j'ai rushé comme ça. Ah là là. Oh! Ouh là là! Je vais monter de l'autre côté, moi. Attendez, il y a moyen qu'on me contourne. Pour l'instant, ça va. Je vais faire gaffe quand même. Bon, c'est un peu de la chance là, tous les kills que je fais. Hein, clairement. Ok, 5v2. Ah d'accord, je comprenais pas d'où. Ok, là il va mal à plus tard. Ah d'accord, en fait on est loin du point. Mais... D'accord, ils sont ici. Dernier op fort. Oh là là, le capcan quoi. Faut faire gaffe à ça. Comment faire une game très 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 facilement. Mais bon, pas grave. Je pense qu'ils vont le faire. Alors, le kill sur la Valkyrie était tellement chanceux de ma part. Mais même les autres, waouh, c'était assez chanceux. Bref, c'est pas grave. En fait, on a trop voulu rush et ça, c'est aussi un truc que. Ok, en fait, on va peut-être perdre la manche. Oh, non, mais vise. Attends, non, reste. Non, s'il te plaît. Mais non, fais pas ça. Mais non. Oh là là. Ouh, il a mis une balle, je crois. Oh putain, dommage. Bon, c'est pas grave, c'est nous, notre faute avec Ibana, on a trop rush. Mais c'est ça aussi, un de mes inconvénients, c'est que je rush beaucoup trop. Mais bon. C'est pas grave, c'est qu'une manche perdue, comme je dis, c'est pas fini. Alors, on se met gros percu, hop, on se met, bon, pourquoi pas Bon, bah, ils veulent aller sous ta bagage, on va y aller. Donc voilà, en tout cas, là, pour l'instant, ça commence. Plutôt bien, même si on a perdu la première manche, je suis tombé avec quand même des bons coéquipiers. En face, ils sont aussi bons. Barricader la salle. Protéger le conteneur radioactif. La première game, les kills que j'ai fait, c'était de la chance. Mais je vous conseille de faire ce trou parce qu'il est vraiment méga avantageux parce que
Ils s'y attendent pas en fait qu'on arrive du haut. Vous avez vu le... Le slide, il s'est vite replié parce que je savais pas viser. Hein. Mais par contre, le... Je sais plus ce que c'était, je pense que c'était un fuse. Oh là là, t'es bon. Essayez de viser un peu. Voilà. Vous avez vu que, bah, que le fuse, il est tombé dans le panneau, quoi. Donc voilà. Alors par contre, il y a vraiment des arches pas de ce côté. Du coup, je vais mettre ma petite smoke ici. Là. Je vais pas bouger comme ça. Et, mais non, je vais encore faire des dégâts. Oh là 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 là. Mais en plus, j'étais obligée parce que sinon, je balançais ma smoke. Oh, ma smoke. Ah bah. Oh, comment il m'a vu à travers le smoke? Oh là là. D'accord. Bon, bah tant pis. Ok. Bon, c'est assez normal. C'est... Oh là 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 là. Ok, GG. Qu'elle se fasse la full team. C'est compliqué. Mais... Hop, force sécurise le conteneur radioactif. Intervenez immédiatement. Ok. Elle prend les deux premiers kills. Le fuse qui s'y attendait pas, elle avait l'info. Bon, elle pouvait les pas, elle pouvait pas rien faire. Par contre, les deux premiers kills qui ont été pris sur le castle et sur le fuse était juste magnifique. Elle avait une pause. Si jamais on les contournait par l'arrière, elle avait le C4. Si jamais ils arrivaient par les escaliers, c'est juste elle a fait un taf, la Valkyrie. Si on n'aurait pas merdé, surtout moi, on aurait gagné la manche parce que la Valkyrie a fait un taf de ouf. Mais bon, c'est pas grave. Je vais essayer d'éviter de rusher comme ça parce que moi je rush beaucoup trop, je prends pas les infos, surtout quand en classé et que je suis pas avec. Des gens que je connais et que j'ai en... dans le haut-parleur, je me précipite beaucoup trop. Alors qu'il faudrait plus aller doucement. Qu'avec les gens là où j'ai l'info, on drone, on est plusieurs, on drone, on a l'info, on y va doucement. Et c'est beaucoup plus simple que. En fait, quand je suis avec des joueurs que je connais pas et que ça parle pas, bah en gros. Ah d'accord, déjà ça va en 4v5. Ça va être chaud, mais c'est faisable. Et ben en fait, c'est compliqué quoi. Je vais voir si ma team elle se coud peut-être aujourd'hui. Si jamais elle se coud, bah je ferai une vidéo avec eux. Si jamais bah, ils veulent bien, normalement ça devrait être bon et vous verrez un peu comment on joue en général. Donc ils sont comme nous. Que 5 secondes. Non, comme non. Ah non, c'est pas si j'ai rejoignez l'emplacement. J'aurais même pas le temps d'aller à bout. Donc, cette fois, on va droner un petit peu. Donc, comme d'hab, je pense qu'il y a la petite Valkyrie qui m'attend. Voilà. Ok. Ouf. Et je sais que j'ai l'info qu'il y a quelqu'un dans les escaliers, donc je vais faire gaffe. Il balançait son C4, du coup c'était la merde. Alors, je suis assez concentré. Excusez-moi si je parle pas beaucoup. La soie qui fasse gaffe. Ah, il m'a pété avec son C4 ou je ne sais quoi. Le capcan. Ouf. Alors là, clairement, c'était chaud. Ok. La grue, normalement, qui va le faire changer de place. Je prends la ligne au cas où. Il est toujours là. Oula, d'où c'est que ça tire là? Je comprends pas trop. Lui il est là en. Il y a moyen que ça contourne, donc je vais garder le cul.
Ouais, ça contourne, ça contourne. Ça contourne. Ok, dernier au fort. Ah, j'ai fait la double! D'accord. Je savais que ça contournait de toute façon. Ok. Arrêtez de sécuriser la pièce. Ok, donc ça va être la merde. Clairement, ça va être chaud. Il s'attend peut-être pas que j'arrive par là, mais clairement, ça va être très très chaud. Ça va être dans Dax. Je vais pas y aller aussi vite comme ça parce que sinon, je vais être repéré. 3 km. Et comment vous dire qu'il y a moyen? Reprenez la sécurisation du conteneur une fois la menace enrayée. Donc voilà, je vais rester comme ça. Je vais attendre tranquillement. C'est pas grave, ça. Oh! Protégez le conteneur. Ouh, cette chance et ce réflexe! Mission réussie. Bref, j'ai surtout eu de la grosse chance. Mais bon, c'est pas grave. Alors, il y a 2-2, faut se concentrer, c'est pas encore fini. Mais bon, voilà. Alors, il y a 2-2, j'espère que ça va pas aller en 5. Allez, on va y aller tranquille. Je sais pas trop qui prendre. Un petit héros. Allez, un petit doc, tranquillement. Tout à bagage. Oh, je sais pas en fait. On va la retenter sûrement en classe d'affaires, mais ça va être chaud. Très très chaud. Mais bon, c'est faisable, hein. Y a rien qui... J'espère juste que c'est des gros percussions. Normalement, je. Ah, c'est ici. Eh, mais c'est juste parfait. Les endroits. Non, pas. S'il te plaît. Oh non, j'ai pas de gros aperçu. Non. Mais non. Oh, est-ce que quelqu'un peut me détruire la trappe? Parce qu'en fait, c'est bien quand ils sont juste devant, comme ça, là. Et vous avez la trappe qui est pétée ici. Mais en fait, vous avez juste à contourner par la trappe et les prendre par derrière. Et c'est méga utile. Apparemment, personne n'a décidé à la péter, cette trappe. Allez, s'il vous plaît. Attends, si c'est que... Plus que 5 secondes. Bon, non, je pense qu'ils ne la pèseront pas. On va laisser tomber la stratégie. On va plutôt se concentrer sur... sur ce qu'on fait. Alors, je vais la laisser tout seul. Par contre, oui, une volée qui reste sur le point, pourquoi pas. Moi, je vais mettre ici. Comme ça. Ah non, même pas. Ah, d'accord. Okay. Je comprends pas trop pourquoi elle part parce que du coup c'est normal. Ok, le pull serait sur. Ok, bon, je vais garder la ligne tranquillement. Ok, bon, on a une Valkyrie là-bas, une caméra qui est au-dessus. Du coup, je vais garder quand même la ligne comme ça. Hop, je vais garder comme ça. Et j'ai juste fermé un petit angle. Rechargement. Un petit déploiement du capteur. Allô, je sais pas si elle monte sur la caméra. Je pense que c'est ce qu'elle fait. Oula, pro gamer, la caméra qui est en train de faire un taf monstrueux. La caméra, je crois qu'il vient de sauver la vie à un. Bah, au pulse, enfin, je pense que le kill qu'elle a fait c'était pulse. Le rester comme ça parce qu'apparemment il y a du monde. Caméra, il va, c'est caméra faire prendre une ligne. Oula, je vais attendre si jamais ça revient par là. Dernier agent hop fort. Oh là là, magnifique. Ok. Apparemment séché. Ok, donc c'est là-bas. Ouais, on y va tout. Je sais pas si c'est une bonne idée. Moi, je vais rester là. Je vais pas jouer les tirs. GG. GG à la caméra qui a fait un beau taf. Voilà. Donc, j'espère qu'on va la gagner. Bon, j'ai pas fait un taf de ouf sur cette game. Ça va. Par contre, j'ai vraiment pas fait. En fait, je rush trop quoi.
J'espère que la prochaine vidéo que je vous fais sur du Rainbow, ce sera avec ma team, que je vous montre un peu mes déplacements. Voilà, mais normalement ça peut le faire. Mais faut, en fait, faut sur ce jeu, faut vraiment jouer la stratégie et vraiment pas rush. Désolée si je parle pas beaucoup parce que je suis concentrée dans ce que je fais. Il faut vraiment pas rush, faut droner, faut y aller tranquille et faut. Parce que si tu rush, à tous les coups, il y a un piège. Et ça va. Bah, tout simplement, ça va te tuer. Et tu vas plus t'énerver qu'autre chose. Et donc, faut mieux se poser tranquille. Et avancer. Et ce qui est bien, et là, on peut un peu plus rush. C'est en équipe, quand on est 5 et qu'on a tous notre micro et qu'on est tous ensemble, on se donne les infos. Là où tu peux plus rush, en fait, c'est que. Tu sais où ils sont, t'as les infos. Donc si par exemple il est sur une cam, il drone, ou alors il y a un gars sur les 5 qui reste sur son drone, qui donne les infos à toute l'équipe tout simplement, et bah il peut dire bah là il est retourné, vas-y tu rush et tu y vas. Mais en fait le souci c'est que ce que j'aime pas quand je suis tout seul et que je connais personne dans la game, c'est que le souci ces infos là on les a pas. Et du coup c'est assez embêtant. Mais bon. C'était pas grave. Ok, donc déjà ils veulent spunky, ils sont comme ça. Ok, leur spunky est bien joué à eux, il a marché. Ok, il s'est pris une jolie tête. GG. Ok, donc non. Ah, personne qui m'attend de ce côté. Ok, donc si. Ils m'attendent un peu plus loin. Je vais regarder s'il n'y a pas de C4. Quoi que ce soit, c'est un truc qu'on pense pas beaucoup, mais. Toujours bien de le savoir. Ok, je vais me caler là. Ok, là, H capitaine la trappe. Et je vais aux infos. Ok. Ah, on peut pas traverser ce mur. Ah, par contre, le trou, je l'avais pas vu. Alors, pas vu du tout. Je pense que si je tente. Oh, je me disais si je peux pas le taper. Oh là là! Je l'avais pas vu! Eh ouais, on a encore trop rush et moi le premier d'ailleurs. Ah, il l'a vu. Ah, par contre, c'est une arme qui a du recul de fou. Du coup, ça va être compliqué pour lui. Ah là là, bah oui. Il a tête de. Ah oui, très bonne idée. Oh, il l'a vu. Ah, dommage, la tête qui est pas passée. Ah non, c'est un cadavre. Ah, le souci, c'est que. Oh, on aurait dû tirer plus tôt. Ah, j'ai fait n'importe quoi, j'ai pas droné pour aller aux infos tranquillement. Bah ouais. Donc c'est le manche qui va aller en 5, c'est pas grave. En fait, j'ai trop rushé, je me suis carrément couché sur l'ennemi et je l'ai pas vu du tout. Bon, il faut savoir que je suis pas à un niveau de ouf, faut encore que je me concentre, faut encore que j'apprenne les maps un petit peu. Donc voilà. Je joue pas super super ouf bien, donc écoutez, voilà. Alors on va aller là par contre. Non, allez là, comme ça j'ai des gros. Je vais pouvoir tenter ma petite technique tranquillement, surtout avec Castle. Ça marche bien cette technique. J'avais déjà fait une full team comme ça, et c'est vraiment une technique qui marche hyper bien quoi. Et aussi sur la map, je sais plus comment elle s'appelle la map, mais là où il y a le garage à motoneige. Il y a une technique qui est hyper bien, c'est que il y a deux escaliers pour descendre sur le garage à motoneige du côté des caves à vin, et de l'autre escalier. Je peux vous donner une petite technique. Moi j'étais 1 vs 4 mecs, et en fait, si vous voulez, je naviguais entre les deux escaliers, et à chaque fois ils savaient pas où m'attendre en fait. C'est à dire que je vous explique un peu ce que je faisais. Donc, je montais par l'escalier de l'autre côté, donc à chaque fois je prenais l'escalier de la cave à vin. Et en gros, si vous voulez, je montais, j'allais à l'autre escalier.
Et comment? Ah, du coup, on n'est pas sur cette map. Et en plus, ils m'ont bloqué. Oh. Va pas spawner, va pas te tuer pour rien. Hop là, ça sert à rien. Faut pas tenter trop le malheur. Ah, je vais aussi rentrer. Alors, par contre, maintenant, je ferme mes petits trous comme d'habitude. Donc, en plus, j'ai un angle là. Ah, super! J'ai trouvé peut-être encore mieux. Je sais pas si c'est mieux, mais ça peut être pas mal. Et puis, je vais garder un petit angle au cas où. Au cas où, voilà. Alors, je pense que maintenant, ils m'attendent. Shoot un peu là. Ok, ok, il a l'info par les vitres, j'ai vu. Donc voilà. Par contre, ça me saoule ça. Si ça se pète. Alors, par contre, du coup, ils peuvent aller sur le point de là. Et apparemment, ah non, par contre, je prends là parce qu'ils ont escalier. Ok, GG, ils ont pris un kill escalier. Wesh! Oula! D'accord. Ah non! Ok, il m'a fait des dégâts. Oh! Oh! Il avait deux rues! Oh, je suis bête! Bon, normalement, ça peut se faire, mais. Voilà. Ouh! Oh là là, GG à lui. GG. Bon. Pour l'instant, je fais pas un taf de ouf. Faudrait que je me concentre un peu parce que je vous parle beaucoup quand même et je me concentre pas assez. Alors, on a Sauce cette fois. On va essayer de la gagner cette game. Ça serait plutôt pas mal. Hop. Et hop là. Donc, voilà. Ça va être assez long à upload, mais bon, c'est pas grave. Ça doit faire plus d'une demi-heure qu'on est sur la game. Mais c'est pas grave. Voilà. Je sais pas si vous le temps la vidéo, je sais pas si je l'upload, je sais pas. Normalement, de toute façon, mercredi matin, elle sera sur YouTube. Hein. Ça c'est sûr. Mais je sais pas. Franchement, je sais pas. Donc voilà. Alors. Beau travail. On sait maintenant où se trouve le conteneur radioactif. Hop. Est-ce qu'ils vont. Ok, donc ils font un trou là. C'est bien de savoir. Et ça, c'est des petites infos en fait qu'on peut pas donner à nos. Ah si, avec le chat du jeu, mais comme je vous dis, bah là, on va prendre cet exemple, on va voir si on tombe sur un français ou pas. La plupart du temps, c'est pas. Enfin. Voilà, là c'est italien, et voilà, donc ils ne comprendront pas. Mais quand on est en équipe comme ça, on peut dire, bah il a fait un trou, attention, il nous attend. Voilà, que là on ne pourrait pas le dire en fait, on peut pas. Et du coup, c'est ça qui est assez chiant. Donc, je parle un peu trop, mais je n'ai pas super, donc je vais essayer de me concentrer un peu. Alors. Allez ici, j'ai vu le piège froid, c'est un bon équipement. Est-ce que quelqu'un s'est calé derrière? Ce serait une plutôt bonne idée. Mais... Alors attendez, parce que le place il sait pas qu'il y en a un là. Oh! En fait, attendez, je vais balancer une petite grue qui va ricoche. Et normalement. Oh, ça va. Non, bah ouais. Oh! Et en plus, ils ont un trou. Et mon drone, il doit être pété maintenant. Ah bah oui. C'est un mur qui se transporte. Malheureusement, c'est vrai. Ok, on a en haut.
Ok. Bon, j'avais l'info de toute façon, mais voilà. Ok. Ok, donc je parle pas beaucoup, excusez-moi, mais bon, j'essaye de me concentrer un petit peu. Cam. Oh le frost! Oh l'idiot que je suis! Arrêtez de sécuriser la pièce. Je rush trop, comme je vous avais dit. Je rush beaucoup trop. J'espère qu'il sera pas aussi idiot que moi. Parce que du coup, voilà. Je... Ah bah tant pis. Tant pis, c'est pas encore perdu, mais ça va être chaud. Ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud. Je me concentre pas assez et du coup, c'est de la merde. Je meurs comme une merde et du coup, j'ai pas de shoot. Et clairement, ça m'énerve. Là, je fais une game de merde. Je joue pas bien. Je me concentre pas sur les pas. Bref. Je vais pas pleurnicher, hein, mais ça m'énerve. Alors. On va essayer de se concentrer un peu pour faire un truc bien au moins dans la game. Ça serait plutôt pas mal. Ok, donc en plus, on est plus que 4-35. Du coup, c'est assez chaud. Du coup, c'est assez chaud. C'est ça, c'est acheté. Bref. Kavera, pro gamer qui joue assez bien. Je sais pas si comment, si c'est en français ou pas. Si jamais, bah y a, pourquoi pas, je l'inviterai dans une partie pour voir s'il veut, pourquoi pas. Attends, je vais aller voir tout de suite. Eh non, malheureusement. Ah, il est polonais. Malheureusement, il est taïko. Je sais pas si c'est taïko, si c'est. Attends, j'ai pas le temps de dire. Donc voilà. Bonjour Free Gamers, on est en vidéo. Dis bonjour. Yo les gens. Donc voilà, on a une petite vidéo Rainbow. D'ailleurs, je fais de la grosse merde. Hein, je me concentre pas, je fais que du 10 kills. Et il y a 4-4, c'est la manche décisive. Et voilà, c'est la merde. Clairement. Donc, on me concentre un peu là parce que clairement, si on continue la vidéo comme ça, ça va être la merde. Hein non, clairement, je fais du n'importe quoi. Surtout que l'upload elle va durer 40 minutes là. Hein, ça va être la dèche à l'upload. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Déjà, ça va durer 40 minutes. Non, non, mais mec, ça fait grave longtemps quand je suis dessus là. Je sais pas combien ça va durer parce que j'ai pas pris le temps comme un coquin. Mais je pense que ça fait un moment. Hein. J'ai un petit trou comme ça. En plus, je joue mal, hein, mais comme je dis, il n'y a pas la team, du coup, c'est chaud, tu vois. On peut pas donner d'informations, mais bon, je vais essayer de me concentrer un petit peu quand même. Alors. Qui se balade, je sais pas. Tu pas d'une vidéo hier soir? Ben non, j'ai pas pu et je me suis excusé parce que comment? Bah justement parce que j'ai pas pu faire de vidéo hier soir et que, bah, que voilà quoi. Donc voilà. Alors ça va être chaud de la gagner parce qu'on est en 3v5, 3v4, GG à Frost. Oui, c'est Frost. Moi je vais prendre ce coin. Oula, ça va tirer d'où? Faut que je te dise un truc. J'ai dislike une vidéo de Squeezie. Pourquoi? Parce qu'elle était nulle. J'étais. Attends, j'ai fait une vidéo. Oui! Oui! C'est parce que. Je supprime ma chaîne si tu likes pas. Ça va être chaud. Je suis tout seul contre deux mecs. Abord sécurise le conteneur radioactif. Ils ont arrêté d'essayer de sécuriser le conteneur. Oh là là, bah c'est terminé. C'est terminé, j'ai perdu comme une grosse merde. Bon bah c'est pas grave, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Allez, je vous dis bye. Tu dis bye. Bye.